je fais une vidéo sur Dofus là. Je suis en train de farmer et tout. Et une fois que j'aurai mon inventaire plein, ben on ira vendre ce que j'ai récolté et voir combien d'argent ça peut rapporter, combien de camas. Donc je me promène, je récolte tout que je peux. Et après je vends. Donc voilà. Je suis à Amakna, vers le point des bouffe-tout. Il y a une zone où il y a plein de frênes, je crois. Voilà. Bon, je suis un certain chemin. Je vais jusque là et puis je reviens. Puis voilà. Je récolte tout ce que je peux. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des gens qui passent aussi par là et du coup, ben, ils ont déjà pris toutes les ressources. Bon, du coup, pendant que je finis de récolter, je vais mettre la vidéo en pause. Et puis je relancerai au moment de vendre. Heureux tout le monde, on se retrouve à Bonta pour faire nos ventes. Donc on va se rendre tout de suite à l'atelier des paysans. Je vais vendre mes céréales. Donc on voit qu'il y a des choses d'hier. Je vais ouvrir les petits sacs de ressources. On a eu sur les récolteurs. Non, ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et on va peut-être même pouvoir vendre ça. Et on a vendu le blé instantanément. J'avais des ressources dans la monture aussi. Donc on va prendre ce qu'on peut. Voilà. Le reste, on verra après. Je modifie le prix du blé que j'avais déjà en vente.
Mon esprit, il a changé entre temps, la flemme. Là encore, on n'a pas encore mis en vente, mais on peut encore changer le prix. Pour le reste, j'ai la flemme. Bon, on va se rendre directement. Ah non, non, il nous reste du houblon. Il n'y a pas changé. Et on va aller voir la vidéo des bûcherons. Le châtaignier, ça se vend assez cher. Remarque, c'est le même prix que le frêne. Je dirais des alchimistes. On va se rendre tout de suite à la banque. Voir, on est à combien de tamas. Bon, on est à 2 400 000 et ben, le 1er janvier, il était à 2 252 000 tamas. Donc, je me suis fait environ 150 000 kamas en 2 jours. C'est pas top, mais ça va. Et je pense qu'on a des ressources dans la banque. Donc là, on a 100 de l'avoine. 200. Là, on a du fer. On pense en dessous de 100 pour les remettre. Bon. Ça peut valoir le coup. Il y aura aussi un bar. Je dirais des ressources. Bon.
moi ça va être cool. En direct et bon les viandes en conduite ça s'obtient très facilement et vu ce que ça rapporte ça veut vraiment plus. Du coup, je conseille de faire le métier chasseur. Ça apporte énormément. Voilà. Pour me voir, là, je vais les écouter. En même temps, c'est une des ressources les plus. Bon, ben, j'ai à peu près tout vendu. Oui, on a tout vendu. Donc, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et mettez un like si ça vous a plu.